Salut les petits joueurs, salut les petites joueuses. Pourquoi petits? Parce que aujourd'hui, nous allons nous mettre dans la peau de petits animaux. Petites souris, loirs, lériots et autres grenouilles de la campagne pour construire notre petite... Lérot. Un lérot? J'ai dit lériot. Ah, c'est celui qui a traversé l'océan, oui, lériot. Qu'il est beau, mon lériot. C'est les petites bourgades. Les petites bourgades, c'est un AEG. Tiny Towns dans son titre, et c'est les Lucky Duck qui le proposent en français. Ça arrive, là, incessamment sous peu. On va le découvrir, comme vous le voyez dans cette boîte-là, du côté du Festival de Cannes en 2020. Et c'est un petit jeu, alors petit, pas tant que ça par la boîte, hein, mais c'est un petit jeu au sens où on va se construire une petite ville sur nos plateaux individuels. On a chacun le même plateau. Et on a fait un setup avec des cartes, une carte par bâtiment, par type de bâtiment. Ils sont tous en bois là-haut. Donc, en fonction des cartes, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Le petit texte est expliqué ici. Et puis, surtout, au milieu, il y a... alors, pour Mops, j'espère que ça va aller, puisque ça se joue sur des couleurs. Oui, on va voir, à peu près. Voilà, oui. T'es daltoniste, toi aussi? Légèrement. Et donc, on va aller les construire, peu à peu, en plaçant les cubes ressources sur le plateau, dans la configuration indiquée par les différents bâtiments, en sachant que... Et on n'a pas si tant de place que ça. Mais on n'a pas tant de place. En sachant qu'on a le droit de faire une rotation de la situation, mais on n'a pas le droit de faire une inversion. Donc, tu n'as pas le droit de la décider dans le sens... La preuve, on ne la voit pas derrière. En plus, on ne la voit pas. Donc, le but du jeu est d'avoir le plus de points. Chaque bâtiment score éventuellement des points qui sont indiqués avec les petits jetons verts qu'il y a ici. On a la feuille de score. Et en plus de ça, on a... au choix parmi deux, un bâtiment particulier, unique, que l'on pourra également construire et que l'on va choisir en début de partie. Comment est-ce que ça fonctionne? Et c'est comme ça que ça va démarrer assez rapidement. C'est que celui qui a le bâton de maître constructeur dit... Le marteau, pardon. Je choisis du vert. À ce moment-là, tout le monde doit prendre du vert. Alors, c'est du bleu, hein, je tiens à te le dire. Oui, mais c'est la matière, pardon. Ah, mais... Oui, excuse-moi. On a du bois, on a de la pierre, on a de l'argile, on a du verre, et puis on a du quelque chose. Alors pour débunker ce qu'il est en train de raconter, hier on a passé notre temps à appeler ça de l'eau. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est vraiment vous appelez, de la pire mauvaise foi. Ça, c'est les ressources de construction pour construire. Donc tu dis, tu prends un machin. Je prends un truc, le château d'eau, et vous êtes obligé de prendre le même que moi et de le placer sur votre plateau. Mais ça c'est moche parce qu'on n'est pas toujours d'accord. À partir du moment où vous avez placé, n'importe qui peut dire « Ah bah tiens, moi j'ai la configuration, je construis mon machin. » Bon ben, là où j'ai placé mes cubes en lieu et place du truc, eh ben, je prends le bâtiment. Sur un des emplacements, je construis le bâtiment et les autres ressources, enfin, et les ressources, je les enlève. J'ai construit. Est-ce qu'on peut être bloqué et perdre tout de suite? Tu peux être bloqué. Oui. Le jeu s'arrête pour chaque joueur, indépendamment des uns des autres. Le jeu s'arrête quand... ton plateau est rempli. D'accord, il n'y a pas un moment où on peut faire le ménage à coups de balai. Non, jamais. Une ressource posée est une ressource posée. Donc, il faut bien réfléchir. Alors, déjà, il faut choisir votre bâtiment. Qu'est-ce que vous... Attends. C'est quoi ces trucs de... Alors, ça, c'est les petites maisons de campagne. Donc là, c'est l'élément qui est toujours présent, les petites bleues. Et pourquoi il faut qu'elles soient ravitaillées? Voilà. Et bien ça, le verger, il ravitaille les maisons de campagne parce que les maisons de campagne ne gagnent 3 points que s'il est ravitaillé. Ça ne veut pas forcément dire à côté. Il faut que tu aies suffisamment de vergers pour ravitailler bien correctement les maisons de campagne que tu construis. Alors si, en l'occurrence, il faut qu'ils soient dans la même ligne. Là, c'est la même ligne et la même colonne que le bâtiment du verger. Donc, grosso modo... Ou même colonne. Même ligne, oui, tout à fait. On pourrait se lire toutes les cartes. Dans la même ligne et la même colonne. Ouais. Attends, je ne comprends pas. C'est un ou. Mais là, c'est un et. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le verger, une fois qu'il est placé là, il ravitaille toutes les maisons dans la ligne et dans la colonne. Okay. Pas de problème. Parce que maintenant, si elle est adjacente à la fontaine, c'est 2 points de victoire si elle est adjacente à une autre fontaine. Plus t'as une bonne grosse fontaine, et mieux c'est. 1 plus 1 pour chaque tailleur présent sur l'une des 4 cases centrales de votre ville. Donc, grosso modo, le tailleur, ben, chaque tailleur va rapporter des points en fonction du nombre de tailleurs qu'il y a là. Donc là, si t'as 4 tailleurs, t'as 16. Parce que chacun vaut 4. Chacun vaut 5. T'as 20. T'as 20. Okay. T'as 20 points. L'autre, c'est. Taverne, elle dépend des tavernes construites. Donc, du coup, plus tu as de tavernes, d'accord, et plus tu as de points dans ta ville. Temple. Le temple, en orange, 4 points s'il est adjacent à 2 maisons ravitaillées ou plus. Donc, à côté de plein de maisons, ça va, mais il faut ravitailler. 3 points si la maison de campagne est ravitaillée. Et l'usine, une fois qu'elle est construite, on place une des 5 ressources sur l'usine.
Et lorsqu'un joueur annonce cette ressource, toi, tu peux prendre autre chose à la place. Mais elle ne marque pas de points. Mais elle ne marque pas de points. Okay. C'est bon pour vous. Et donc, il semblerait que, d'après ce que je vois, ouais, que si à la fin, on a des cases vides, on a des malus. Exactement. À la fin, on enlève les ressources qui n'ont servi, d'accord, à rien. Et toute case vide est un moins 1. Et du coup... Tiens. Et après, on va la montrer. Quand tu l'as construit seulement. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ben moi, je vais faire celle-là. OK. Et je vais commencer, si vous voulez bien, en vous proposant de prendre de la pierre. La pierre, c'est quelle couleur? Gris. Tiens, gris. Oh, je te la donne. Et donc, du coup, je vais le mettre, je vais le mettre là. Oh là, c'est bien. Tiens, hops, à toi. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais prendre du jaune. Ah oui, mais non. Jaune, hein? Ok. Tiens, Mathilde. Ça, c'était la pierre du 1. Ouais. Et je te laisse prendre la jaune. On n'a pas bien beaucoup besoin de ça. Hein. Ah, bah, je crois qu'on est un peu parti. Okay. On va prendre du vert. Et je construis la cathédrale de Katerina. Ok. Je la place là. Et donc, j'aurai, déjà, pas, tu construis. J'aurai pas de malus si j'ai des cases vides à la fin. Et j'ai 2 points déjà. Ah, ouais. Ok. Après, en fait, c'est normal. De l'argile. Parce que comme tu as fait bitume, ça fait très BTP. De l'argile. Donc c'est normal que. Non. J'hésite entre pas vouloir comprendre ou pas comprendre. On t'a pas vu. J'ai pas vu Mathilde. Non, j'ai pris de l'argile. Et pour tout vous dire, j'ai mal vu mon schéma. Tu viens de tricher là, tu veux dire. Schéma, donc j'ai décalé. Tu viens de tricher. Voilà. Du coup, si on peut le faire, on joue sur de l'argile. Ok. Tu n'es pas très argile. C'est-à-dire que je ne sais pas trop où la mettre. Ok. Si vous voulez bien, on va repartir sur du bois. Du bois. Ouais. Ah. Mais en fait, est-ce que c'est malin ce que j'ai fait? Non, mais c'est pas, ça ne change pas d'habitude. Hein. D'habitude. Tiens, Mops, je le fais tourner juste pour s'en. Je regarde mon bois, si je le laisse là ou si non, je le laisse là. Je vais reprendre du rouge. Ça marche. Et je construis. Moi aussi. Vous allez trop vite. Moi aussi. Alors, je construis l'obélisque du croissant. Ah non. Qui me permet de placer tous mes prochains bâtiments que je construis sur n'importe quelle case. Ah non, faut que je mette là. Et là-haut, je vais construire, c'est quoi, une fontaine. Que j'ai fait. Ah non, ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, non, il faut que ça, je le mette ailleurs. Ok. Mets-le ailleurs, mais quelque part. Voilà, ok, ça va être ailleurs, ok. Ça marche. Amops, à croque, pardon. Du verre, et je construis une taverne. La taverne, ça fait quoi déjà? C'est, nombre de c'est un nombre de points selon le nombre de tavernes. Ok. Ok. Ah oui, donc plus tu construis de taverne et plus ce sera. Moi, je vais prendre du marron. Ah oui, il n'était pas facile ton terme. De la pierre, tu veux dire? Enfin, du marron, du bois. Du bois. Ok. C'est bon? Ouais. Je vous propose du jaune. Ça me fatigue de ne pas savoir ce que c'est en vrai, et c'est du blé. C'est du blé. Oh merde, j'aurais pas imaginé. C'est du fouin. Et je construis mon palais de Mandras, pardon. J'ai 2 points de victoire pour chaque type de bâtiment adjacent. Donc a priori, il faut que je fasse du. Ok. Je n'ai pas du tout fait un palais de Mandras, crétin. T'as fait un verger, Guillaume. 1, 2, 3, 4. Ben oui, n'importe quoi. Donc, du coup, je vais le mettre ici. Je prends du polyuréthane de méthyle expansé. Ouais, ça me va. Super. Et je construis une fontaine. On fait comme ça. Ah, la vache. Pareil, mais quel pénible, cet homme. Je pense qu'on va pouvoir, se parler, je pense. Ah oui, d'accord. Il commence à travailler en groupe. À moi? Non, parce que j'ai pas placé ma pierre, que je sais pas où la mettre.
À quoi ça sert le bois, en fait, chez vous? Ah, oui, d'accord, bande de petits malins. Mais non. Mais non, moi, je vais faire ça. OK, vas-y, croque. De la pierre, et je construis une deuxième fontaine. De la pierre. Tac, 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 et vous m'avez donné encore de la pierre, mais qu'est-ce que je fais de ça, là? Si j'avais un marteau. Ok. Du bois, et je construis une deuxième fontaine. Ouais, mais alors si vous lancez tous dans les fontaines... Bah, je vais construire une fontaine aussi. Ouais, ben je vais en faire une aussi d'abord. Tiens, voilà, pouf, pouf, elle est là. Sauf que. Ah oui, parce que toi, tu les construis, tu veux. Ouais. Non, pas là, Guillaume. Hop, 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 hop. C'est toi, Mathilde, qui a pris, hein. Ok. N'en vous déplaise, je vais reprendre du blé. Ça me va très bien. Déplaît. Eh ben, trop tard. Et je construis mon palais de Madras. Donc là, c'est pour les adjacents. Et donc, du coup... Je construis un verger. 1, 2, 3, 4. Ça fait 8 points, celui-là. Ah, est-ce que le palais de Madras... Jamais en diagonale. Super. Le verger, c'est pour qu'il alimente les maisons. C'est ça. Qui sont dans la même ligne et la même colonne. La même ligne et la même colonne. On va plutôt aller vers le centre, alors. OK. T'as pris quoi, Mops? Un verger. Mais c'était avec ce que j'ai donné. Ah oui, oui, t'as encore rien pris. D'accord, non, j'ai rien pris. Alors, vas-y. Ah, mais c'est pas vrai. Quoi? Je prends du blé. Du blé. Oh, du blé, mais... Du blé, mais du blé, mais du blé. Ah oui, si, je peux faire ça. OK. Et tu fais une maison de campagne. T'as pris du blé? Pardon, non, j'ai pas fait. Tu fais une maison de campagne, non? Oui. Non? Ben oui, mais je suis en train de me dire que je voulais pas la faire là du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Attends, Mops, t'as pris du blé aussi ou pas? Oui, oui. C'est moi qui ai pris du blé. D'accord. T'es pas trop dans le verger? C'est ça? Bah, surtout que ça rapporte rien, le verger. Ben oui, je sais bien. Donc oui, bah, je vais construire une maison. Tu construis déjà ? Parce que, de toute façon, sinon, ça ne sert à rien. Donc une de ces trois cases-là, bah, je vais la faire là. Du verre. Du verre. Du verre. Du verre. Youpi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oui, si, là. OK. Toi, Mathilde. OK. C'est tarbeule, hein. Prends du rouge. Non, elle n'a pas envie. Si, elle a envie. C'est ce qu'elle voulait. Non, elle voulait pas prendre ça. Bah, si. Non, elle voulait prendre... Ce serait drôlement mieux joué. Ah oui, elle pourrait. Elle pourrait prendre de... Ouais. Je vais prendre du marron. Ah, non, mais... Ouais, mais c'est bien blanc bonnet ou bonnet blanc. Ouais, je suis en retard sur la fontaine. Ouais, tu sais quoi, c'est un bon argument. Hop. Je vais prendre du marron, du coup. Ok. Je construis. Du marron. Tiens. Alors là ou là, eh ben, je vais la mettre ici. Ok, donc là il va falloir que je me dépêche. Je vais reprendre encore du. Ah bah oui, du marron. Si, si, du marron, c'est bien. Du bois. Du bois aussi pour toi? Très bien. Monsieur, du bois. Du rouge. Ah ouais, mais bon. Attendez, attendez, Mops, Croc, il a pas mis. Ouais, ça y est, c'est bon. Ok, de l'argile. Du rouge, alors que je me vautre pas. Et non, de l'argile. Pas ça, donc du coup, paf. Qui me fait. Attends, on a encore un truc de retard. Ah là. Non, c'est bon. Ouais, parce que... Argile, t'as dit? Ouais, argile. Ok, super. Ça y est, t'es construit là, non? Non. Ah. Ouais, je construis une maison. Ok. Tu as pris de l'argile? Oui, ça y est, elle est là. Ça marche. Tu l'as construit la maison, c'est bon? J'ai construit la maison. Ok, Mops. Croc, pardon, excusez-moi. Argile. Arg. Là, je construis. Arg. Ah, ça, j'avais pas prévu.
Ah, t'es comme moi, t'es obligé de tourner pour voir ? Non, je suis obligé de lire. Avec des lunettes. C'est toi, Croc, qui a pris Argile ? Oui. Ah, puis t'as construit en plus. Merde, ah, oui. À toi, Mathilde. Ok, j'y viens. J'avais mes trois trucs là, je les pense. Très bien. Oui, mais donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je fasse ça. Pierre. T'as pris Pierre, hein ? Pierre. Ok, ici, je construis une statue. Enfin, une fontaine, pardon. Une fontaine. Allez, allons-y donc, pour les fontaines. Rigueur, je pourrais éventuellement la mettre là, puis faire ça. Ok, ouais, pourquoi pas. D'accord. Ah, c'est chaud, en fait. Non ? Ça va chez vous ? Non. Ça va pour l'instant. Mathilde, je suis avec toi à fond. Hein, message de soutien, hein, tout ça, tout ça. Tu me comprends ? Oui, tout à fait. Donc, t'as construit quoi ? Je construis le verger. C'est lequel, le verger ? C'est quelle couleur ? C'est ça ? C'est les rouges. Ok, super. Cool. Okay. C'est là. C'est toi qui as pris ou c'est Croc ? C'est moi qui ai pris. Ok, donc c'est à moi. Alors, est-ce que je le fais maintenant ? Non. Je mets jaune, blé. Jaune. Blé pour tout le monde, s'il vous plaît. Jaune. Je construis une maison de campagne. Oh, avec vous, blé. Maison de campagne par ici, bim. Jaune, d'accord. Ah punaise, ça veut dire que là, je peux faire plus que ça. Ah, oh, et que je viens de me tuer. Je prends. Ah, la poisse. Je prends du rouge. Oh, j'ai fait nappe. Ouais. T'as pris de l'argile, c'est ça ? Ouais, depuis tout à l'heure, je regarde ton plateau et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, j'ai fait mes nimpes de chez nimpes. Donc, vous avez pris l'argile ? Ouais, c'est bon. Oh la vache ! Vert. Ouais. Okay. Est-ce que j'ai placé mon argile ? Taverne ! Ah oui, non. Ok, ça marche. Ça ne va pas du tout. Clac, 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 bah oui, ça c'est cadeau pour toi. Deux points si elle est adjacente à, à une fontaine. Donc là, ça... Ah oui, donc en gros, c'est que deux points. Ah, je me suis cuit tout seul. C'est possible. Tout à fait. Je vais prendre un... Attends, c'est qui prend là ? C'est à moi. Non, c'est à Croc ? Non, je viens de dire argile. Oui, c'est ça. T'as dit argile ? Je viens de dire vert, non, je viens de dire vert. Ah, oui, vert, oui, d'accord. Oui, c'est pour ça, ok. Mais oui, si j'ai pas pris vert, moi. Bien. Ah, oui, tu vois qu'il faut suivre t'as le pas, marteau. T'as pas construit, là, tout de suite, non ? Non, j'ai pas construit. D'accord. Je... Vert. Tu vois que c'est important. C'est important. Si, vert, je peux construire une maison de campagne. Oh la vache, j'ai fait tellement. Allez, vert. Oh punaise, et en plus elle continue. Ouais. Vert. Je vous le dis. J'ai plein de trucs à faire, mais littéralement c'est... Dès que je suis blanc, c'est fini ? Non. Alors c'est là une particularité de fin, comme je le disais. Quand tu termines ton plateau parce qu'il est rempli, que tu peux plus construire ou que tu ne veux pas, ton tour s'arrête et tu peux commencer à faire ton décompte de points. Oui, c'est fini, mais les autres... Les autres peuvent continuer. Ouais, tout à fait. Donc t'as pris vert, c'est à moi. Eh bien, je vais prendre argile. Argile, c'est rouge ? Ouais. Alors... Ah merde, bah, tu vois, Croc, j'avais pas vu. Mais bon, très bien si je te sauve. Faire construire une taverne. Alors, les tavernes, c'est quoi ? C'est juste le nombre. Le nombre de tavernes de ta ville qui te rapporteront des points. Les petits écureuils vont y boire des pintes de. Alors, à moi. Pourquoi j'ai un petit truc comme ça, moi ? Ben, je vais prendre un petit gris. Gris. Et toi aussi, tu fais un petit... Voilà, tu viens d'aider Croc. Eh oui, je sais. Mais... Croc et moi, nous nous aidons. Bah, il n'y a pas de raison de le faire. Oh, bah, dis donc, c'est mal fait ce que je viens de faire, dis donc. Okay. Oh là là, c'est nul. Ok. Croc. Ah oui, non, mais faut absolument pas se tuer des diagonales. Hein. Pierre.
Présent. Wouhou ! Pierre. Alors, je vous le souligne, pour ceux qui nous écoutent, dans les parties d'initiation, ils conseillent d'avoir, entre guillemets, la possibilité de mettre deux fois, je crois, dans la partie, une ressource en disant « Bon, ben non, celle-là, je la mets de côté et je la prends pas. Je la place pas. » Et donc, du coup, de démarrer avec un peu moins de sévérité sur les erreurs de placement et tout ça. Vert. Attends, je peux placer mon date. Du vert, hein, Mathilde, te dis. T'as un stylo ? Moi, ouais. C'est fini. Ok. Du vert, hein, t'as dit. Du vert, t'as dit, Mathilde ? Oui, ouais. C'est ce que j'ai dit, effectivement. Ben, voilà. Ça, c'est mort. Alors. Qu'est-ce que je regrette, mon usine, sérieux ? Je suis obligé de tourner pour voir. J'arrive pas à pivoter dans ma tête. Oui, moi c'est ce que je fais à chaque fois. T'as fait ou t'as pas fait ? J'ai fait. T'as fait vert. Et c'est à moi, c'est ça ? Mmh. Eh bien, je vais faire argile. Argile, c'est quelle couleur ? C'est rouge, tiens, c'est je rouge. Te la donne. Hop, boum. Et je fais une taverne. Rouge. Et la taverne, je vais la faire là parce que j'ai encore argile peut-être rouge. Des chances de faire rien du tout. Si, mais faut pas que je me plante. Ok, mops. Je prends du jaune. Oh, tu me saoules. Ah si. Et je construis une maison de campagne. Non. Non. Oui, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette mon jaune ici. Ok, Mathilde. On continue de jouer tant que chaque joueur peut s'arrêter, entre guillemets, une fois que le plateau est achevé. Donc, quand il est plein de ressources et qu'on ne peut plus ou ne souhaite plus construire d'autres bâtiments, la ville s'arrête et on décompte les points. Et quand toutes les villes sont achevées, eh ben on regarde qui c'est qui a gagné. Toi, c'est fini. Oui, donc c'est à toi de choisir. C'est à moi de choisir, très bien. Tu peux pas me faire de mal. Je prends du brun. Tu prends du bois. Ouais, du bois. Tiens, mops. Du bois. Eh bien, je le mets là et je construis une petite fontaine. Ah, moi aussi, du coup. Je sais bien. Je vais la faire là. Je sais bien que vous construisez des fontaines. De mon côté, je vais prendre du vert. C'est un peu facile de faire des fontaines. Hein. Ouais, mais enfin, elles font que deux points. Hein. Ben oui. Atom Ops. T'as pris du vert, Guillaume. Oui. J'ai pris du vert. Je vais prendre du rouge. C'est bon, ça, c'est bon. Maison de campagne. Ah, pas encore. Maison de campagne. Et puis, je ne peux la faire que là. Et là, Mathilde, entre tes mains, mon destin est... J'ai déjà moins 2 de base, puisque ça est la moins 3. Je vais finir avec un moins 4, je crois. Et ça, ça va me rapporter que dalle. J'ai joué comme une brêle. Moi aussi, ça peut être assuré. C'est à moi ? Bah, du coup, faut pas que je la mette là, en fait. Faut que je la construise là. Ouais, ça fait 1, 2, 3. Oui, c'est un peu mieux. Et là, je peux toujours faire. Oui, là, de toi dépend de mon destin. Ok, super. Ah bah oui. Non, allez, reste, je t'en prie, allez. Je vais prendre une argile. Nya, 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 nya. Si t'avais pas attiré mon attention dessus, j'aurais rien remarqué. Une argile. Ouais. C'est nul. Je pense que c'est ce que je dis croque aussi. Une argile, c'est nul. Une argile, c'est nul. C'est vrai, c'est ça. Comme le dit Florian, une personne argile, c'est quelqu'un qui a de la vivesse. Oui, mais j'ai déjà fait en début d'émission. Ah, ok. Tu es très argile. Tu construis ou pas ? Ben non, je construis pas. D'accord. Mais pourquoi ? Je sais pas, parce que... Pourquoi tu ne fais pas une taverne ? J'ai envie de faire une maison de campagne. Ah oui, non, je me souviens de me la gauler, ma maison de campagne, je suis con. Non, elle marche encore. Elle marche encore si tu la mets là. Ton ah oui, blé. C'est ça. De toute façon, oui. Tu es mieux que tu peux, toi. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Ça, c'est fort mais aussi. Mais il faut qu'il y ait de la place. Oui, mais toi... Oui, mais moi, je vais prendre... Donc, ça veut dire qu'il faut que je te laisse la possibilité de ça. Donc, non, je ne veux pas. Avec un peu de chance, je vais tenter le bois.
Mops. Eh ben moi, je vais tenter le jaune. Bon, bah j'ai fini. Campagne. Ok, je veux bien le papier, croc. S'il te plaît. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre un coup le décompte? T'as pris quoi, Mops, là? Maison de campagne. Non, mais t'as pris quoi comme ressources? Jaune. J'ai pas pris de ressources encore. Si, si j'ai pris jaune, oui, pardon. Jaune, Attends. Juste pour le montrer, d'accord? Quand le plateau est comme ça, fini, on ne peut plus rien construire. T'enlèves toutes les ressources. Moi, je peux toujours construire. Ah oui, bien sûr, tu peux continuer, Mathilde aussi. L'usine, rien. L'usine, rien. Mes maisons de campagne, elles valent 3 s'ils sont ravitaillés. Ce n'est ravitaillé que par le verger. Il n'y en a que 2, ça fait 6. L'usine, c'est bien si tu l'as dans tes deux premières cartes. Bah, c'est ça. Taverne. Attends, bouge-toi. Taverne, 2, ça fait 5 points. Une pierre. Ça, j'en ai pas. Pierre. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me vaut 2 points pour chaque type. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Bam. Donc, 5 et 5, ça s'en va. 6 et 6, 12. 12 et 8, ça fait 1. Prends... Eh bien, c'est pitoyable. Voilà. Et je prends un bois. Je me suis fait exploser. C'est un peu gênant que les joueurs finissent en décalé. Ouais, c'est-à-dire que tu mets pas la pression, chose, tu mets pas, la, tu mets pas de pression sur les autres. Je vérifie jouer. Quand même, hein, mais je crois que tu ne mets pas la pression sur les autres. Tu peux faire quelque chose encore? Ouais. Ah. Ouais. Ça va me servir à rien, mais c'est marrant. S'il ne reste qu'un seul joueur, il peut continuer à annoncer des ressources jusqu'à ce que sa ville soit achevée. Donc, ouais, c'est ça. Je vais prendre une... Non, moi j'ai fini. J'ai fini. Tu peux pas plus? Non. Alors, t'enlèves toutes tes ressources. Ping, ping, poum. Et puis du coup, Mops, tu me dis, est-ce que tu as... Bah non, ça fait pas de points. Point négatif. Oui, c'est pour ça. Est-ce que tes maisons sont toutes ravitaillées? Oui. Donc ça fait 12 points, ce qui est plutôt bien. Tu n'as pas construit de temple. Boum, non. C'est les jaunes. Tu n'as pas construit... Si, tu as une taverne. Une taverne, ça te fait 2 points. C'est celui-là. Oui. Tu n'as pas construit de tailleur. Non, personne n'a joué avec le tailleur. C'est pas facile. Celle-ci, 2 points, mais 0 parce qu'elle n'est pas à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 points. 0 okay. Parce qu'elle n'est pas à côté. Oui, parce que regarde, il faut qu'elle soit elle-même adjacente à une fontaine pour qu'elle marche. Elle marche par coupe. Lui, il ne te rapporte pas de points. Boum. Et tu as 1, 2, 3 cases vides, donc moins 3. 12 et 8, 20. Et 2, 22. 22 moins 3, 19. Bam. Mathilde. Mince. C'est good for you. C'est good for me. Quel est l'imbécile qui a 20? C'est moi. Mais t'inquiète pas, Mathilde. 6. 3 fois 3, 9. Non, c'est 3. C'est 3 points. Eh ouais, c'est 3. 9. 9, ça ne fait pas rien. Orange, j'ai pas. Vert, j'ai 2, donc 5. 5. Jaune, j'ai pas. Jaune, t'as pas. Gris, j'ai 10. Oui, c'est ça. Bim. Rose, j'ai 2, 4, 6. Ah, t'as 3 bâtiments absents. Pouah, 6. Combien de cases vides? Moins 3. Donc, du coup, ça fait... Elle va encore gagner, Mathilde. 9 et 5. 19. 22, je pense. Non. Tu vas plus vite que moi. 19 et 6, 25. Et 5, ah non, j'ai oublié. 30 moins 3, 27. 27. Eh bien, c'est Mathilde qui l'emporte. Bien joué, Mathilde. Oui. Je ne sais pas comment, mais pour l'instant, tu fais du 100%. Oui. Ah, petite bourgade, Mathilde. Je fais du 100% à petite bourgade, ouais. Ça me... Tu n'es qu'une petite mère. Ça me fâche énormément, Mathilde. Bah écoute, on a fait une troisième pour te donner une chance. Avec plaisir, avec plaisir. Si j'avais eu le temps, je vous aurais fait jouer à Royaume des Sables, qui est chez Légion Distribution, qui se joue pratiquement de la même façon, c'est-à-dire que tu places des ressources suivant un plan indiqué par des cartes pour construire les bâtiments. Mm-hmm. Donc on pourrait se dire, mais oui, du coup, c'est la même chose. Et bien en fait, la sensation de jeu n'est pas la même, mais on n'a pas le temps de faire ça, c'était une petite bourgade. Mais regardez le Royaume des Sables et vous comprendrez ce que je voulais vous dire. C'est du AEG, c'est du Lucky Duck. Merci Mathilde. Merci Guillaume. C'est toi qui as gagné. Oui. Merci Croc. C'est pas ton style de jeu, je suis sûr. Pas tout à fait. Et toi, Mops? Moi, j'aime bien, oui, mais j'aurais mieux aimé si j'avais gagné. Ah, parce que toi, tu aimes les jeux si tu gagnes. Oui, je suis un peu comme François. C'est toujours dur. Non, ça fait toujours un peu plus plaisir. Ben, ouais, oui, quand même. Oui, mais regarde, Germain. Enfin, bon, bref, c'était au Joe et c'était un requin et on l'a rétamé. C'est les petites bourgades Tiny Town, c'était en Réujouan. Mm-hmm. On se dit à quand, Mathilde? On se dit à la semaine prochaine. Jeudi et vendredi, moi, je serai là. Yes. Parce qu'on va décabler des câbles. C'est et ça va être vachement parce bien. Parce qu'on part pour Cannes. C'est donc que cette vidéo a été tournée avant Cannes. Oui, parce que vous la regardez peut-être après, mais... Allez, on voilà. On dans le décor. Allez. Salut à tous. Au revoir. 1 à 6 joueurs, on peut jouer aujourd'hui.